Alors, je finis le rang 38. On va faire encore quelques petites diminutions. Pour le rang 39, on va compter donc une maille. C'est pour la maille lisière, plus 6 mailles. 2, 4, 6. Et on met un marqueur. À la fin, on fait pareil. La maille lisière, plus 2, plus 6 mailles. 2, 4, 6. Hop. Donc, on vient tricoter le rang 39. Donc, la maille lisière. Ensuite, toutes les mailles à l'endroit jusqu'au marqueur. On laisse tomber le marqueur. Notre surjet est fait. On va venir tricoter toutes les mailles à l'endroit jusqu'au prochain marqueur. En fait, on s'arrête deux mailles avant le marqueur. Alors, il nous reste deux mailles, on va les tricoter ensemble à l'endroit, on laisse tomber le marqueur. Le rang 40, on va tricoter toutes les mailles à l'envers. Jusqu'à la fin du rang. Donc on termine le rang 40. Et voilà. À partir de là, on va mettre un marqueur. Et on va tricoter 10 rangs de jersey. Donc je fais une maille lisière et je tricote toutes les mailles à l'endroit. Pour le rang 41. Donc on se retrouve au rang 51 puisqu'on va tricoter 10 rangs de jersey maintenant. Alors, depuis qu'on a mis le marqueur, on a tricoté 10 rangs. Alors, pour les personnes étrangères, je vais compter pour les aider à suivre le tuto. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Donc, on a 10 rangs depuis le marqueur. Maintenant, on va faire les emmanchures et les épaules. Donc, on tricote une maille lisière. 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4. Maintenant, on va rabattre 5 mailles.
On tricote 9 mailles à l'endroit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Du coup, on a 10 mailles. 2, 4, 6, 8, non. 10. On rabat de nouveau 5 mailles ici. Une. Deux. Trois. 4 et 5. On tricote le reste des mailles à l'endroit. Ensuite, on va tricoter alors une maille lisière. 4 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4. On va monter 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 et 10. On continue. On tricote les mailles à l'envers. On monte de nouveau 10 mailles. Alors, une. Je vais faire ça parce que j'ai peur de perdre les mailles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Je tricote le reste du rang des mailles à l'envers. Voilà. Je vais ensuite changer de fil. Je vais prendre du fil de fourrure. Donc je coupe le fil rouge. On va tricoter toutes les mailles à l'endroit. Jusqu'à la fin du rang, on tricote toutes les mailles à l'endroit. C'est pas évident, les mailles qu'on monte comme ça là. J'ai peut-être pas la meilleure des méthodes pour monter les mailles.
Donc, on se retrouve à la fin du rang. Alors, oh là, j'ai perdu une maille. Je termine le rang. Maintenant, je vais tricoter toutes les mailles à l'envers. Tricote un dernier rang de mailles en droit et on viendra rabattre toutes les mailles. Je termine le rang là. Et maintenant, je rabats toutes les mailles. On se retrouve là à la fin du rang quand on a bien rabattu toutes les mailles. Alors, on finit de rabattre les mailles. Voilà. Maintenant, on va couper le fil. On enlève le marqueur. Et on va venir coudre tout le long de la robe sur l'envers du travail. Et après, on n'a plus qu'à la mettre à la poupée. Voilà, la robe est terminée. Elle la porte bien. On va lui faire un petit bonnet. Bon, on se retrouve pour le petit bonnet. Alors, pour le bonnet, on va monter 32 mailles. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Voilà. 32 mailles avec les aiguilles numéro 2,5. Donc, on va tricoter deux rangs. Donc, le premier rang, une maille lisière. Et toutes les mailles à l'endroit. Jusqu'à la fin du rang. Alors je termine le rang 1. Pour le rang 2, on tricote toutes les mailles à l'envers. On termine le rang 2 . On va couper le fil et on va remplacer le fil blanc par du rouge. Allez, rang 3, toutes les mailles à l'endroit. Le rang 2, toutes les mailles à l'envers. Termine le rang par une maille en droit. Alors le rang 3 en rouge. Toutes les mailles à l'endroit. Rang 4, toutes les mailles à l'envers.
rang 5. Toutes les mailles à l'endroit. En 6, toutes les mailles à l'envers. Rang 7, on va commencer les diminutions. Donc, on va placer des marqueurs. Alors, je vais compter 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais mettre un marqueur à la maille. Bon, je vais y arriver. 5. Ensuite, je compte 10 mailles. Alors, 2, 4, 6, 8, 10. C'est bien ça. 2, 4, 6, 8, 10. Je mets un marqueur. Je compte encore 10 mailles. 2, 4, 6, 8, 10. Voilà. Donc, je vais tricoter le rang 7. Je tricote jusqu'au marqueur. Je fais tomber le marqueur, je tricote deux mailles ensemble à l'endroit. Puis je tricote jusqu'au prochain marqueur. Alors, deuxième marqueur, hop, je tricote deux mailles ensemble à l'endroit, puis je tricote jusqu'au prochain marqueur. Dernier marqueur, je le fais tomber et je tricote deux mailles ensemble à l'endroit et je termine par des mailles endroit. Rang 8, toutes les mailles à l'envers. Maintenant, on va compter avec nos marqueurs. Donc 5 mailles. Alors 1, 2, 3, 4, 5. Je place mon marqueur. Ensuite, je compte 9 mailles. 2, 4, 6, 8, 9. De nouveau 9 mailles, 2, 4, 6, 8, 9. Et je vais venir tricoter. Alors une maille lisière, puis
toutes les mailles à l'endroit jusqu'au marqueur. Je laisse tomber le marqueur. Je tricote deux mailles ensemble à l'endroit, puis toutes les mailles suivantes à l'endroit jusqu'au marqueur. Voilà, je laisse tomber le marqueur, je tricote deux mailles ensemble à l'endroit et toutes les mailles à l'endroit jusqu'au prochain. Deux mailles ensemble et je finis le rang par des mailles endroit. Ensuite, je tricote tout le rang à l'envers. Je finis le rang donc je vais arrêter avec les marqueurs parce que ça sert à rien. Donc je vais compter 4 mailles, 1, 2, 3, 4. Je tricote 2 mailles ensemble ensuite je tricote 2 mailles ensemble. Ensuite, deux mailles ensemble et je termine le rang. Maintenant, je tricote toutes les mailles à l'envers. Alors, on termine notre rang. Maintenant, on va tricoter 4 mailles. Alors, 1, 2, 3. On tricote 2 mailles ensemble. Cinq mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5. 2 mailles ensemble. 5 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 2 mailles ensemble et on finit par 3 mailles à l'endroit.
on tricote toutes les mailles à l'envers. Maintenant, on fait un rang sans diminution. Toutes les mailles à l'endroit. Toutes les mailles à l'envers. Maintenant, on fait une maille lisière, deux mailles à l'endroit, deux mailles ensemble, quatre mailles à l'endroit, une, deux, trois. Deux mailles ensemble, quatre mailles en droit, une, deux, trois, quatre, deux mailles ensemble, et on finit par trois mailles à l'endroit. On tricote. Ensuite, tout le rang à l'envers. Maintenant tout le rang à l'endroit. Tricote tout à l'envers. Maintenant, on tricote lisière plus deux mailles à l'endroit, ensuite deux ensemble, trois mailles, une, deux, trois, deux ensemble, trois mailles en droit, une, deux, deux ensemble, une, deux. Maintenant on tricote toutes les mailles à l'envers.
toutes les mailles à l'endroit. Les mailles à l'envers. Alors maintenant je tricote une maille lisière, une maille à l'endroit. Deux mailles ensemble à l'endroit, une, deux, deux mailles ensemble, une, deux, deux mailles ensemble, une. Tricote tout le rang à l'envers. Toutes les mailles à l'endroit, les mailles à l'envers, deux mailles ensemble, une maille endroit, deux mailles ensemble, une maille endroit, et on finit par deux mailles ensemble. On tricote toutes les mailles à l'envers. Les mailles à l'endroit,
les mailles à l'envers. Maintenant, on va tricoter les mailles deux par deux. Donc, on les prend deux par deux et on les tricote ensemble. On va tricoter un petit rang. Voilà. On va couper le fil. Alors assez grand, hein, je montre. On va enfiler une aiguille. Voilà. Et on va passer l'aiguille dans les mailles. Voilà. Et on ferme. On va venir coudre le bonnet. Sur toute la longueur et après on fera un petit pompon blanc. Alors pour le pompon, je vais monter 5 mailles avec la laine fourrure. Peut-être un peu plus quand même. 6, 7. Et je vais tricoter une dizaine de rangs. De mailles en droit. Ça me fera une sorte de carré et après je vais regrouper les angles pour faire un style de pompon parce que c'est pas évident de faire un tout petit pompon. Donc on tricote une dizaine de rangs de mailles en droit. Alors j'ai tricoté une dizaine de rangs, je vais maintenant rabattre. On va couper le fil. Voilà. Maintenant, on prend une aiguille à laine.
et on va enfiler dans les quatre coins. Et puis on va serrer. Voilà. Ça fait une sorte de pompon. Je suis contente, il est bien. Et on va venir l'accrocher au bout de notre bonnet. Alors on se retrouve une fois qu'on l'a accroché au bonnet. Voilà, le pompon est cousu. Je trouve que c'est trop rigide. Moi, je ferai un petit point ici de rouge pour que le bonnet tienne plié. Voilà. Bon, bah, j'espère que ce tuto vous a plu et je vous dis à une prochaine fois pour un nouveau tuto.